dit la scène est à vous. Attends, c'est unique ça. Vous le croyez ou pas? Tout le monde debout dans la salle. Georges Canet, que vous avez un incroyable talent, c'est celui d'avoir aucun ego. Ah, j'ai prévenu que j'étais amateur, hein, c'est-à-dire que... Ça, j'ai bien senti. Non, mais je veux prouver que la danse est accessible à tous et à tout partout. Le monde de la journée. Oui, ça libère, ça... Voilà. 4 secondes, les pressions de la journée... moi, c'est ce que c'est je fais. C'est comme une thérapie, là. Voilà, c'est la danse-thérapie. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui dansent sur leur sonnerie de téléphone et sur les pubs et tout. On le revêt? Par contre, il faut s'entraîner parce que ça revient très souvent quand même sur les quais de gare à Paris. Il faut y aller. Stevie, vous êtes un révolutionnaire. Vous êtes en train de changer notre société. C'est grâce à des gens comme vous que le monde peut aller mieux. Pour moi, il y a du Lévy, il y a du Bourdieu. C'est très étrange, je commence à aimer ça. Steve, si on vous donne des wigs, vous continuez l'aventure avec nous, qu'est-ce que vous allez faire après? Je prends un chorégraphe, déjà. J'enchaîne. Je deviens sérieux. Là, j'ai entamé un régime, donc je le continue. Pour passer en taille S de collant. Ouais. Je l'adore. Et puis, je vais enchaîner, faire un ballet, quoi. Vu la promesse, je vais dire oui. Moi, évidemment, c'est un grand oui magnifique. C'est oui aussi. Ça fait donc 3 oui. Vous allez automatiquement à la prochaine étape. Mais je vais quand même vous l'offrir pour votre fantaisie. Je vous offre aussi un oui. 4 oui! Merci, Stevie. T'as vu David faire une jiggle dance? Oui, on aimerait bien. Bravo!